Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose aujourd'hui de faire un tour d'horizon de plusieurs championnats, pour la plupart championnats européens, pour nous rendre compte de l'état d'évolution de nos compatriotes qui évoluent de ce côté-là. Nous commençons ce tour d'horizon par la France. Nous allons atterrir en tout cas en Ligue 1, championnat de première division de la France, où nous avons en tout cas plusieurs internationaux congolais, plusieurs compatriotes congolais, ceux qui sont également susceptibles de devenir internationaux en République démocratique du Congo, qui jouent dans différentes équipes. Nous commençons ce tour d'horizon en France par Dijon, où évolue un arrière gauche international congolais. Il s'agit bien de Glody Ngonda. Et Glody Ngonda qui enchaîne, et Dijon tient Reims, le stade de Reims, en échec à domicile. Malheureusement, Dijon reste tout de même relégable. Il se trouve dans la zone de relégation. Dijon FC se quitte sur un nul et vierge de 0 but partout contre le stade de Reims. Le latéral gauche congolais, Glody Ngonda, a disputé l'intégralité de la rencontre, comme il a pu, en tout cas, il a pris l'habitude de le faire. Et Dijon, je l'ai dit, se trouve toujours dans la zone de relégation, 18e au classement, au terme de 18 journées. Dijon n'a que 13 points, 2 victoires, 9 matchs perdus contre 7 matchs gagnés. Nous espérons en tout cas que notre compatriote pourra, avec son équipe de Dijon, sortir de cette zone de relégation. Ça va un tout petit peu mieux, même si il n'y a pas trop de victoires qui suivent. Mais quand même, quand on ne sait pas gagner, il ne faut pas perdre non plus. Je crois que c'est ce que essaye de faire Dijon. Alors nous allons rester en Ligue 1 en France pour cette fois-ci aller du côté de Lens, Racing Club de Lens, où évolue en tout cas un de nos compatriotes, l'international congolais Gaël Kakuta. Il n'est pas le seul dans ce club. Et Gaël Kakuta qui avec son club devait aller défier l'Olympique Lyonnais, leader au championnat de France actuellement. Gaël Kakuta, bien que décisif avec son club, mais le Racing Club n'a pas pu arracher ne fût-ce qu'un match nul pour son premier match à l'extérieur en 2021. Le Racing Club de Lens chute devant le leader Lyon et par 3 buts contre 2. Et Gaël Kakuta, notre compatriote, a joué toute la rencontre et a même délivré une passe décisive. C'était à la 56e minute pour la réduction du score à 3 buts à 1. Et le Racing Club de Lens occupe la 8e position, 27 points après 17 journées, 8 matchs gagnés contre 6 matchs perdus et 3 matchs nuls. À noter que ce championnat reste dominé par l'Olympique Lyonnais qui devance le Paris Saint-Germain. L'Olympique Lyonnais qui a 39 points au terme de 18 journées, 11 victoires, 1 défaite contre 6 matchs nuls, suivi donc par le Paris Saint-Germain qui a 36 points. Nous restons toujours en France pour cette fois-ci aller du côté de Monaco. Monaco qui jouait et se déplaçait en tout cas du côté de Lorient. Nous allons voir des compatriotes congolais qui s'affrontaient entre eux. Du côté de Lorient, nous avons Yohan Ewissa, l'international congolais, celui-là même qui avait égalisé en match amical contre le Maroc, vous le savez, match soldé par un score de 1 but partout. Malheureusement, Yohan n'a pas pu faire le déplacement en République démocratique du Congo pour la double confrontation contre l'Angola à cause des problèmes administratifs. Vous vous souvenez de cet épisode, des problèmes de passeport où les passeports étaient un peu suspendus, on ne les imprimait plus. Et Yohan Ewissa n'a pas pu donc faire le déplacement pour prêter main forte à l'équipe nationale. Alors du côté de Monaco, nous avons deux compatriotes. Nous avons Dissasi, nous avons également Badia Chile. Il faut noter que Dissasi a marqué à la 9e minute de jeu. Axel Dissasi était donc titulaire, il est sorti malheureusement à la 46e minute de jeu. Quant à Benoît Badiachile, lui a joué toute la rencontre du côté de l'AS Monaco. Et Yohan Ewissa également était titulaire du côté de Lorient. Et il est sorti à la 84e minute de jeu. Un match remporté donc par l'AS Monaco
2 buts contre 5, hein, et Monaco qui se trouve aussi être bien placé, hein, au niveau du classement, puisque l'AS Monaco est 6e derrière l'Olympique Marseille, hein, avec 30 points au terme de 18 journées, 9 victoires, 6 matchs perduus, 3 à match nul, tandis que Lorient, club cher à notre compatriote Johan Wissa, est dans la zone de relégation. Rien ne va pour Lorient. Lorient est 19e juste après Dijon. 12 points seulement après 18 journées, 3 matchs gagnés, 12 matchs perdus contre 3 à match nul. Si ça continue ainsi, Johan Wissa risque de se retrouver en Ligue 2 la saison prochaine. Voilà tout ce qu'on peut dire, hein, en ce qui concerne en tout cas la Ligue 1 française. Hein, mais nous n'allons pas quitter la France tout de suite, puisque en Ligue 2, nous avons également quelques compatriotes congolais, hein, qui prestent de ce côté-là. Hein, et nous allons commencer ce tour d'horizon en Ligue 2 française par Ajaccio. Ajaccio où évolue notre compatriote Kaloulou, international congolais également. Pour la 18e journée de Ligue 2, Ajaccio recevait Pau. Belle victoire d'Ajaccio, 4 buts à 1, et notre compatriote Kaloulou a joué toute la rencontre pour la 8e fois d'affilée. À noter que son club en championnat de Ligue 2, l'AC Ajaccio, actuellement occupe la 13e place du classement, hein, 21 points après 18 journées, 5 matchs gagnés, 7 perdus contre 6 matchs nuls, 16 buts marqués contre 22 buts encaissés. Nous restons toujours en France en Ligue 2, cette fois-ci pour aller où vous le savez, a évolué auparavant Gaël Kakuta avec Kalolo, avec Akolo, pardon, et Kakuta qui a quitté Amiens pour rester en Ligue 1, hein, est allé du côté de Lens, alors que Akolo est resté là-bas. Akolo, un international congolais, hein, qui joue du côté de Amiens, mais Amiens était reçu par Guingamp. Guingamp, le club cher à un autre compatriote congolais, il s'agit bien de Yening Bakoto. Et Akolo était titulaire, hein, du côté d'Amiens. Il est sorti à la 79e minute de jeu, alors que Yening Bakoto, qui n'a pas commencé le match, est entré pratiquement à la fin, hein, à la 89e minute de jeu, et ce match s'est soldé par un score nul de 2 buts partout. À noter que Guingamp, le club de notre compatriote Yening Bakoto, occupe la 16e place du classement et n'est qu'à une seule longueur, du premier relégable, hein, qui est Rodez. Et Guingamp a 17 points, hein, après 18 journées, 3 matchs gagnés, 7 perdu contre 8 matchs nuls. Voilà la situation de Yening Bakoto et son club. Tandis que Amiens, le club de notre compatriote Akolo, Amiens occupe la 10e place du classement de la Ligue 2, 24 points après 18 journées, 6 matchs gagnés contre 6 perdus et 6 matchs également nuls. Et nous restons toujours en France en Ligue 2, puisque nous y sommes, hein, en Ligue 2. Et cette fois-ci, nous allons du côté de Clermont. Clermont qui recevait pour cette 18e journée l'équipe de Grenoble. Hein. Belle victoire pour Clermont, 3 buts à 0. Et notre compatriote Simba, malheureusement, n'était pas de la partie puisqu'il est toujours convalescent. Voilà tout, hein, pour ce tour d'horizon en France. En France, nous sommes passés d'abord par la Ligue 1 et maintenant nous terminons par la Ligue 2, hein, avec ce club de notre compatriote Simba, Clermont qui est 4e au classement, hein, 33 points au terme de 18 journées, 9 matchs gagnés contre 3 matchs perdus et 6 matchs nuls. Clermont est bien placé en tout cas. Si ça continue ainsi, c'est possible, hein, de gagner une place et monter en Ligue 1 la saison prochaine. Donc nous avons terminé avec ce tour d'horizon en France, hein. Nous avons parcouru la Ligue 1 ainsi que la Ligue 2. Maintenant, prenons notre avion, quittons la France pour nous rendre
du côté de la Turquie, hein, la Turquie où nous allons retrouver plusieurs joueurs congolais qui évoluent en première division turque. Hein. Nous allons trouver, d'abord on commence ce tour en Turquie par Jonathan Bolingui, ancien du Tout-Puissant Mazembe. Et il est passé aussi par la Belgique, vous le savez, Standard de Liège. Il est passé par d'autres équipes belges, hein, même Antwerp où se trouve Dieu merci Mbokani et d'autres Congolais. Et Jonathan Bolingui qui jouait en tout cas la 16e journée du championnat turc, hein, et son club Ankara Gucu se déplaçait du côté de Gaziantep. 2-0, défaite, hein, lourde de l'équipe de Jonathan Bolingui qui a du reste joué toute la rencontre, hein, et Jonathan Bolingui a 994 minutes, hein, comme temps de jeu sur les 1530 minutes possibles. Jusque là Jonathan Bolingui n'a pas beaucoup pété prolifique en but, hein. Il n'a inscrit que 2 buts jusque là. À noter aussi que son club est mal placé, c'est le premier relégable, hein, dans le championnat turc, occupant la 18e place de ce championnat, 15 points après 16 journées, 4 matchs gagnés, 9 perdus contre 3 matchs nuls. Il y a du travail encore à faire, hein, pour quitter cette zone de relégation. Nous restons toujours en Turquie, hein, pour retrouver un autre Congolais. Il s'agit bien de Jordi Lukoki. Lukoki qui évolue du côté de Yeni Malatya, 16e journée du championnat à Turc. Hein, et Yeni Malatya recevait Sivasspor, hein, match nul, 2 buts partout. Notre compatriote Lukoki est entré à la 65e minute de jeu. À noter également que son club de Yeni Malatya occupe actuellement la 10e place du classement, hein, au championnat à Turc, 10e place avec 21 points au terme de 16 journées, 5 matchs gagnés contre 5 perdus et 6 matchs nuls. C'est pas mal, hein, le club a encore mieux à faire, le championnat étant encore long. Nous ne quittons pas la Turquie, puisque je vous l'ai dit, hein, nous avons plusieurs compatriotes congolais qui évoluent de ce côté-là. Allons maintenant du côté de Fabrice Ntsakala, l'arrière-gauche international congolais qui évolue du côté de Beşiktaş, hein, et Beşiktaş qui se trouve être leader du championnat turc actuellement au terme de 16 journées. Beşiktaş recevait Rizespor et Beşiktaş a battu Rizespor 6-0, une très très grande victoire, hein. Malheureusement notre compatriote Fabrice Ntsakala est resté sur le banc et n'a pas été en tout cas titularisé, n'est pas monté sur le terrain. Beşiktaş occupe la première position, je vous l'ai dit, 34 points au terme de 16 journées, 11 matchs gagnés contre 4 perdus et une seule rencontre, hein, qui s'est soldée par un match nul, 27 buts marqués contre 19 buts encaissés. Ça va très bien pour le club cher à Fabrice Ntsakala. Nous quittons Beşiktaş, hein, pour cette fois-ci jeter un coup d'œil du côté de Trabzonspor, hein, Trabzonspor où évolue un autre international congolais. Il s'agit bien de Benik Afobe et Benik Afobe qui jouait à la 17e journée du championnat turc avec son club Trabzonspor qui recevait Gotzep, hein, et Afobe est entré à la 86e minute de jeu, match remporté en tout cas par l'équipe de Benik Afobe, 1-0, et Trabzonspor qui se comporte plutôt bien, occupe actuellement la 7e place du classement du championnat turc de première division, hein, avec une journée d'avance, 26 points en 17 journées, 7 matchs gagnés contre 5 perdus et 6 matchs nuls. Donc voilà les statistiques, hein, de Trabzonspor. Voilà, maintenant nous allons quitter Trabzonspor, hein, pour retrouver notre compatriote congolais qui évolue toujours en Turquie, hein. Vous le savez, il s'agit bien de Christian Luyindama, le boss. C'est comme ça qu'on l'appelle, le boss. Et Christian Luyindama qui se déplaçait, hein, du côté de Konyaspor avec son club de Galatasaray, hein. Malheureusement pour cette 16e journée, il n'y aura pas de victoire ni de match nul pour Christian Luyindama. Match perdu à Konyaspor, 4 buts contre 3. Luyindama était bel et bien titulaire. Malheureusement, il est sorti à la 86e minute de jeu. Et Galatasaray qui descend encore d'un cran, hein, en
au classement. Galatasaray qui occupe maintenant la 5e place au classement du championnat turc, hein, au terme de 16 journées, 30 points, 9 matchs gagnés, 4 matchs perdus contre 3 matchs nuls. Galatasaray qui s'éloigne un peu plus, hein, du duo de tête, hein, dominé en tout cas par Beşiktaş de Fabrice Nsakala et Fenerbahçe de notre compatriote Marcel Tisserand. Marcel Tisserand justement qui évolue également, hein, qui ont remporté une victoire, hein, lors de cette journée. C'était hier, hein, belle victoire de Fenerbahçe devant Alanyaspor, hein, 2-1. Cette victoire les propulse à la 2e place du classement. Et Fenerbahçe, de notre compatriote qui était titulaire, hein, lors de cette rencontre, a 32 points au terme de 16 journées, 10 matchs gagnés contre 4 matchs perdus et 2 matchs nuls. Nous avons terminé notre tour d'horizon du côté de la Turquie et nous allons maintenant nous rendre du côté de la Belgique, hein, en Jupiler Pro League pour retrouver un autre compatriote congolais. Il s'agit bien Edo Okayembe qui évolue du côté de Eupen, hein, et Edo Okayembe qui jouait avec son club la 19e journée du championnat de la Jupiler Pro League en Belgique, hein. Il était décisif. Malheureusement, son club va chuter lourdement à domicile, 1-4. Eupen n'a pas tenu le coup face à Genk, hein, qui est leader au niveau du championnat de la Jupiler Pro League. L'international congolais Edo Okayembe a bien sûr joué toute la rencontre, hein, et il a fait une passe décisive pour l'unique but de son club. Alors au classement en Jupiler Pro League, ce classement qui maintenant est dominé en tout cas par le club de Bruges, hein, et Genk qui vient juste en 2e position, hein, la différence que d'un seul point les sépare. Eupen d'Edo Okayembe occupe plutôt la 14e place, hein, au terme des 18 journées, 20 points engrangés, 4 victoires, 6 défaites contre 8 matchs nuls. Le classement est dominé donc par le club de Bruges, Genk et Charleroi. Quittons la Belgique pour nous rendre cette fois-ci du côté de l'Espagne, hein, en Liga espagnole, qui est le championnat de première division, hein, en Espagne, pour retrouver un international congolais. Il s'agit bien de Omenuke Mfulu. Mfulu qui a fait son retour, hein, gagnant avec son club de Elche. Elche qui s'impose à l'extérieur, hein, sur un score étriqué de 1-0 contre Nusia, une équipe de Détroit espagnole. Vous vous demandez c'est quel match ça? Il s'agit bien du match de la Coupe du Roi, ce n'est pas en championnat. Bravo donc à notre compatriote Omenuke Mfulu qui a fait ce retour gagnant avec son club, hein, après un mois passé sans jouer. Le milieu de terrain congolais a fait son retour sur l'aire de jeu à la seconde période pendant que le score était encore de nul et vierge, 0 au but partout. Elche s'est qualifié pour le second tour de la Coupe du Roi. On verra bien comment les choses vont évoluer par la suite. Alors nous quittons l'Espagne pour nous rendre cette fois-ci du côté du Calcio. Calcio, nous allons retrouver un autre compatriote congolais, hein, qui évolue du côté du championnat italien. Il s'agit bien de Mbalanzola qui évolue du côté de Spezia. Et Spezia qui a fait de la sensation, hein, et qui est allé battre Naples sur terrain. Notre compatriote, bien évidemment, le franco angolo congolais Mbalanzola n'en finit pas en tout cas de marquer, hein, puisque hier il a contribué à la victoire de son équipe qui s'est imposée sur le terrain de Naples en égalisant sur pénalty à la 68e minute. Score final Naples contre Spezia, 1-2, et notre compatriote, hein, a également inscrit l'un des 2 buts de son équipe. Félicitations à lui, mais Spezia n'occupe que la 16e place du classement, hein, 14 points après 16 journées, 3 matchs gagnés, 8 perdu contre 5 matchs nuls. Ce qui n'arrange pas trop les affaires de Spezia, malgré cette victoire, n'est pas très loin du premier relégable qui est Naples, hein, qui a 12 points. Spezia est donc seulement à 2 points du premier relégable. Félicitations à notre compatriote Mbalanzola
qui a inscrit un des deux buts de son club. Nous espérons en tout cas qu'il va continuer ainsi à évoluer. Alors, terminons ce tour d'horizon du côté de l'Inde. L'Inde, où nous allons retrouver un international congolais. Il s'agit bien de Jacques Magoma. Jacques Magoma qui a été récompensé en Inde, une première pour le milieu de terrain congolais. Le but de l'international congolais Jacques Magoma a été plébiscité meilleur but de la semaine en Inde après avoir participé à la première victoire de son club en championnat. Le milieu congolais a été voté par les supporters comme meilleur but de la semaine. Bravo à Jacques Magoma. Cette belle information nous permet donc de terminer ce tour d'horizon que nous espérons avoir été très fructueux en information pour vous. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous le savez, vous pouvez aussi exprimer votre point de vue en nous laissant un commentaire. Mais surtout, abonnez-vous à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification car elle vous permet de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Merci encore une fois à vous. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.